Ma soeur soit bénie. Je suis là pour mettre les œuvres de Satan à nu. Même s'il faut que je passe toute la journée, ça c'est le travail que le Seigneur m'a donné. Et je vais m'assurer que je fais bien mon travail. Je vais parler des hauts talents. Les hauts talents. Ma soeur en Christ, regardez. On va vous faire... Vous faites des, Regardez ce qui est sur l'écran. Le, le, regardez. Les talents. Voilà les talons. Regardez. Regardez les talons qu'on montre. Regardez. Les saints en Christ mettent ces gens les talons. Regardez vous-même. Regardez. Et si le Saint-Esprit ne vous dit pas que ça, c'est un péché, vraiment, allez vous examiner pour voir si vraiment le Saint-Esprit est encore en vous. Le jour que tu reçois le Saint-Esprit, tu connais. Hein? Ça se manifeste. Mais le jour que ça part, tu ne connais pas. Ça ne te dit pas que c'est parti. Tu vois, seulement te rendre compte que il y a quelque chose qui ne va pas. La chair a déjà pris position. Vraiment, il y a les chaussures, les chaussures basses. Quand tu marches vraiment, tu ne changes pas de forme. Et aussi les petits talons comme ça, les 4 cm. Tous les talons qui dépassent les 4 cm. Ça ne va pas là. C'est déjà mondain. Regardez-vous même les talons. Voilà les talons que les chrétiens mettent aujourd'hui. Les longs talons, tu vois, tu n'arrives pas à marcher. Dieu a monté les filles de sion à cause de ça. Parce que marcher avec les regards effrontés à petits pas. Le talon te fait marcher comme le serpent. Gauche, droite, gauche. Tu ne peux pas marcher toi. Tu ne peux pas marcher droit avec le talon. Il faut que tu changes. Ça, ça c'est la, 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 la démarche de la sirène. La sirène marchait comme ça. C'est comme ça un serpent. C'est ça. Le serpent qui a séduit et Ève. Possède maintenant le sang Christ. Tu vois le sang Christ, elle prend bien, elle met les faux cheveux. Elle finit avec les cheveux. Elle dit vraiment, je vais montrer à Dieu que comme il m'a formé là, c'est mauvais. Elle prend la perruque, soit la perruque, les faux cheveux, elle met, donc elle souille ses cheveux. Elle arrive maintenant ici. Il y a même certains qui, qui enlèvent ce que Dieu a mis. Elle enlève ce que Dieu a mis. Elle va maintenant prendre <laughs> un trait ici comme ça. Voilà. Maintenant, elle prend maintenant le, le, une couleur terrible. Que ce soit vert ou jaune. Elle met là. Elle met là. Elle met un truc ici. Vraiment. Si tu vois la seule on te dit que c'est elle. Tu ne dois pas.. Tu vas régner. Tu vas régner. Quand je montre aux gens... Vois sur mon écran la photo où j'étais dans le monde. Quand j'ai dit aux gens, voilà, me voilà, les gens ne croient pas. Regardez, me voilà, quand j'étais dans le monde, c'est moi là-bas. Regardez. voyez comment j'avais, je m'habillais comme une païenne. Mais aujourd'hui, étant dans le Seigneur, le Saint-Esprit m'a fait comprendre que ce que je suis à l'intérieur s'est révélé à l'extérieur. Les gens se moquent de moi, mais je m'en fous. Moi, je sais où je vais. Je veux donner tout à Jésus. Vous voyez une soeur en crise, elle finit avec les cheveux, elle est ici, maintenant les yeux, elle prend les faux cheveux, les faux, les faux cils. Soit c'est les faux cils, elle met. Si elle n'a pas les faux cils, elle va prendre le mascara. Masquerade. Commencez à masquer ses, ses cils. Elle finit, elle met maintenant les lentilles. Elle finit, soit elle met peut-être une boucle ici, boucle là-bas, boucle là-bas. Tu les votre démon. Mettez mettant encore la photo, la photo, voilà, la photo d'un démon, regardez. Regardez une femme qui, qui, qui était vraiment une femme normale. Aujourd'hui, elle a gâté sa, sa, son corps, regardez. C'est comme ça que le diable veut que la femme garde son corps. Voilà. Ma sœur, ma sœur, Dieu veut que tu gardes ton corps. pur tu vois une soeur, elle le rouge, elle lève un maître. Donc Dieu était fou pour te donner la couleur aussi. Comme je suis là, je n'ai pas mis, j'ai mal fait. Ma soeur en Christ, reste naturelle. Le Seigneur m'envoie pour t'avertir. Les longs talons que tu mets là, quitte que tu n'arrives même pas à marcher, tu peux courir. Tu es devenu esclave de la mondanité. Tu pars dans une chambre la, la chambre de la sœur les talons, toute qualité de talons. Et elle met ça, elle dit qu'elle loue le Seigneur. Qu'elle loue le Seigneur? Toutes ces choses-là, si tu ne le les jettes pas maintenant, le jour de l'enlèvement, ça va t'arrêter le pied. Le jour là, ça va t'arrêter les pieds. Le Seigneur m'envoie pour t'avertir, ma soeur. Quand tu t'habilles, habille-toi comme un enfant de Dieu. Les petits talons comme ça, les petits comme sont les babouches, 4 cm. C'est ça. Quand ça dépasse déjà, ça devient long comme ça. Non, ma soeur, n'aimez pas ça, je ce prix. Moi, j'aime... J'ai une petite chaussure comme ça, noire, ça a des petits talons comme ça, c'est mes à vieilles. Tout ce que j'achète maintenant, ce n'est que les babouches, les, les samaras. C'est ça que j'achète maintenant. Parce que les talons, quand ils veut commencer à marcher, ça fait comme ça. Tu marches comme ça, comme le serpent. Ah non, Donc, je suis à délivrer, délivrer de l'esclavage, délivrer de la mondanité. Non, ce que je reflète à l'intérieur, ça doit refléter, c'est ce que je suis à l'intérieur, doit refléter à l'extérieur. Sœur, le Seigneur m'envoie pour t'avertir. Reçois cet avertissement, répands toi répands toi ma sœur. Glorifie l'éternel avec ton corps. Tous ces vêtements étrangers, jette-les. Tous ces produits étrangers, tous ces produits cosmétiques, Dieu est contre ça. Dieu est contre tous les produits cosmétiques. Il n'aime pas ça. Il n'aime pas ça. Parce que ça vient pour souiller son, le temps du Saint-Esprit. Ça vient pour, pour dénaturer ce qu'il a créé. Il n'aime pas ça. Dieu déteste tous ces usines de, des magasins, de, les usines de cosmétiques là. Il est contre ça. Il est contre ça. Le Seigneur m'a voie pour ta vertice. Si vraiment tu as donné ta vie à Jésus et que tu es prête à obéir l'éternel. Obéis ma soeur. Que le Seigneur te t'obéisse au nom de Jésus Christ. Amen.